BFM Business, intégral placement, 100% placement. Et justement, notre promesse, on la tient. Comment le monde du vin sort-il lui aussi gagnant ou pas d'ailleurs du confinement? Dans quel état? Et comment le vin peut-il apporter une solution, une réponse à vos recherches de placement efficace et de placement gagnant? Thierry Godet est avec nous, le président de Cavissima. Bonjour Thierry, on est ravi de vous retrouver. L'investissement dans le vin attire-t-il les particuliers d'ailleurs, malgré les perspectives économiques encore très incertaines? Il y a une demande extrêmement forte sur les solutions d'investissement dans le vin. On a enregistré une progression de 200% sur le mois d'avril. C'est absolument incroyable. On ne s'attendait pas à une telle performance. Il faut dire que le cours des grands crus, si on regarde l'indice Wine Decider Pro, lui a chuté de 3% uniquement lorsque le CAC 40 lui dévissait de 40% fin février, début mars. C'est impressionnant. Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer, Thierry? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette résilience du vin? Il y a plusieurs raisons à cet intérêt. La première des choses, c'est que il faut bien voir que dans une période de crise, les épargnants s'intéressent aux valeurs refuges. Hein, ça, c'est classique. Et naturellement, ils vont vers les biens tangibles, des biens finalement. Le vin, c'est assez simple à comprendre. Il y a une volatilité qui est très très faible. Il n'y a pas besoin d'être un expert. Et donc, il y a une résilience très très forte des cours, parce que finalement, c'est la consommation intermédiaire qui va permettre au stock de se réduire, alors que entre-temps le vin va gagner en valeur gustative. Donc naturellement, il y a un phénomène d'appréciation financière de la valeur du vin, etc. Et puis, pendant cette période de confinement, les Français ont un peu plus consommé de vin, ont vidé leurs caves. Voilà. Après, dans une période comme celle qu'on a vécue, on a vu que les Français se tournaient beaucoup plus sur des investissements un peu plus socialement responsables. Mmh. Ils cherchaient des valeurs qui incarnent le patrimoine, qui incarnent la nature. Et le vin fait partie de cette catégorie. Troisième élément conséquent, il y a maintenant un cadre juridique qui encadre véritablement le placement dans le vin. On peut vérifier sur le site de l'AMF que certaines sociétés comme Cavissima font l'objet d'un agrément de la part de l'AMF, et donc il y a une autorisation de faire appel public à l'épargne. Et puis, dernière chose, on a maintenant un historique de résultats qui est tout à fait encourageant, hein, puisque on a déjà versé plus de 2,5 millions d'euros à nos clients qui ont fait l'objet de désinvestissements. Il y a des résultats qui sont anciens. Garde l'offre en gestion éclairée, qui est une offre à partir de 20 000 euros, sur des cartes qui ont été constituées entre 2012 et 2016, qui ont été désinvesties en 2018. On est sur des rendements bruts de 38%, soit avec un placement de 3,6 3 ans et 6 mois en moyenne, ce qui correspond, une fois qu'on a retiré les frais, tenez-vous bien, à 7,2% équivalent annuel. Et ça, je ne vais pas le dire trop fort, mais c'est net d'impôts. C'est net d'impôts, très intéressant. 7,2%, c'est net d'impôts, Thierry? C'est net d'impôts, tout à fait. L'imposition va s'appliquer sur la plus-value dès l'instant où la valeur de cession du lot sera supérieure à 5 000 euros. Donc en pratique, nous, on constitue des caves qui permettent d'optimiser et de gérer cette contrainte fiscale. C'est intéressant ce que vous nous dites, 7,2% de performance annuelle hein, sur le vin, le patrimoine viticole, les bouteilles de vin ces dernières années. C'est un placement manifestement compétitif et en plus dont on peut profiter. D'habitude au printemps, puisqu'on est au cœur du printemps Thierry, d'habitude au printemps s'ouvre la période de dégustation des primeurs, les primeurs 2019. On va pouvoir les goûter quand et est-ce qu'ils sont promis pour ceux qui voudraient éventuellement faire un placement? Alors, 2019, donc effectivement, la campagne a été retardée hein, à cause de l'épidémie de Covid-19. Elle va démarrer maintenant le 8 juin, donc on a une certitude. Alors, les critiques vont pouvoir se rendre à Bordeaux et nous-mêmes, nous allons nous rendre à Bordeaux dans la semaine du 1er juin. On va pousser les portes des châteaux, on va déguster.
À quoi on s'attend? On s'attend à un millésime qui va aller entre le bon, le très bon et l'excellent. L'excellent sur les grands terroirs, parce que les grands terroirs, dans une année comme 2019, auront fait des très très grands vins. Et puis, régulièrement, j'évoque les gens qui sont en bio et en biodynamie. Il y en a de plus en plus à Bordeaux. Ceux qui ont apporté un soin particulier à leur vigne vont faire un vin de très grande qualité. Voilà. Et on a un rendement qui est élevé, donc une production, une vendange en quantitative tout à fait intéressante. Et puis, surtout, la caractéristique de ce millésime, c'est qu'il est à la fois facile à boire dans sa jeunesse et il va proposer une longue garde. Et ça, c'est vraiment intéressant pour l'investissement dans le vin, puisque, encore une fois, c'est la consommation hein, qui va permettre au cours de prendre la valeur. Il y a eu très peu de critiques sorties des notes pour l'instant. Seul Jean-Marc Carin, qui habite à Bordeaux, et puis Eddy Beck, un Suisse qui était coincé, qui n'a pas pu retourner chez lui, a pu déguster les vins. Les notes sont plutôt très bonnes, sont plutôt excellentes. Elles sont à peu près du niveau de 2018. Elles ne sont pas toutes sorties, mais on voit que Château Margaux conserve sa note de 98. On voit que Carbon-Brion passe de 96 à 97. On voit que Mouton Rothschild régresse d'un ou deux points, mais pour l'instant, on n'a pas encore toutes les notes. On s'attend à vraiment un très, très grand millésime. Et puis, surtout, ben, on est maintenant dans cette phase où on attend les prix. On sait que les courtiers discutent âprement avec les producteurs, avec les châteaux. Il y a un contexte qui n'est pas favorable à maintenir des prix élevés. D'accord. Les châteaux le savent, ils le savent très bien. Vont-ils le faire? Ah, ça c'est la question. Et donc, s'ils ne baissent pas les prix, malheureusement, la campagne va être probablement menacée. Et c'est peut-être une menace très forte sur Bordeaux, sur la place de Bordeaux. Et ce serait dommage et regrettable. Moi, je pense qu'il va y avoir des efforts qui vont être faits. D'accord. Et que ça peut être une bonne opportunité de placement, puisque vous le disiez, le millésime 2019 s'annonce très prometteur, mais les prix vont devoir baisser pour s'ajuster au marché. Donc, en termes de placement, c'est pas mal. Un actif, un placement de valeur à bas prix. Écoutez, Guillaume, je pense qu'on va vivre un scénario qu'on n'a pas vécu depuis au moins une vingtaine d'années. Mmh. La dernière fois qu'il y a eu un scénario à peu près de ce type-là, à peu près, hein, c'est millésime 2008, qui est sorti pendant la crise des subprimes. Donc Bordeaux avait décidé de baisser les prix alors que le millésime était meilleur que le millésime précédent en 2007. Et la conséquence de cela, c'est que ce millésime 2008 s'est apprécié en 6 ans. Vous savez de combien? Allez-y. 80% en 6 ans. Bon, avis aux amateurs. Thierry Godet, le président de Cavissima et ses éclairages réguliers dans Intégral Placement. Le vin aussi peut constituer un placement liquide en plus, avec un jeu de mots qu'on va assumer, et un placement en tout cas juteux si vous souhaitez choisir les meilleures bouteilles, en tout cas les millésimes les plus prometteurs et à bas prix. Il y a peut-être une opportunité sur le millésime 2019, nous disiez-vous Thierry. Merci beaucoup.